qui sont contre, qui ne sont pris, qui s'abstiennent. Le ainsi l'ordre du jour est adopté. Nous demandons directement aux initiateurs de la motion contre M. le gouverneur Théo Kouadi-Djenkassi à se choisir une personne qui doit nous présenter le rapport de cette motion. Ici, au nom de tous mes collègues avec lesquels nous avons signé la motion de défiance contre le gouverneur de province, je voudrais vous dire d'entrée de jeu qu'il m'a été chargé de vous en faire l'exposé du texte que vous avez, mais je me ferai compléter par deux collègues uniquement pour préciser certains aspects que j'aurai à aborder ici. Des articles 198 de la Constitution, tels que révisés à ce jour, les articles 41 et 42 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que révisés à ce jour, et 202, 203 et 204 de notre règlement intérieur, nous avons donc le regret, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, de vous présenter cette motion de défiance. Je disais qu'en date du 3 mai 2021, j'ai reçu du bureau de l'Assemblée provinciale une invitation me demandant de venir présenter les moyens de défense concernant la motion de défiance initiée par lui, honorable député provincial. De prime abord, qu'il me soit permis de rappeler que les griefs portés contre ma modeste personne sont les mêmes que ceux à y avoir fait l'objet d'une motion passée au vote le 26 décembre 2020. À l'issue de ce vote, la dite motion avait été rejetée par la majorité des honorables députés présents dans cette salle. Je saisis cette opportunité pour leur transmettre mes remerciements et pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Il ne s'est donc pas écoulé un trimestre, et c'est cela aussi que le peuple doit savoir. En moins de 3 mois, les mêmes députés motionnaires reviennent encore à la charge. Puisque la motion a été rejetée le 26 décembre, l'Assemblée provinciale est partie en congé le 30 décembre. 3 mois après, l'Assemblée provinciale a ouvert ses travaux pour la session de mars, le 30 mars, et le 1er avril, j'ai une motion de défiance. Peuple d'ici, qui vous. Quand est-ce que les députés motionnaires ont eu le temps d'examiner les reproches qui ont été faits au gouverneur des provinces? C'est donc, honorables députés provinciaux, un acharnement contre le gouverneur des provinces. En toute vérité, en examinant la motion que j'ai reçue, il n'y a aucun élément nouveau. Vous avez suivi le même reproche. On fait des discrédits, on fait des mensonges et des contre-vérités pour déstabiliser le gouvernement provincial. J'attends donc la réponse à cette saisie. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, car cela les tienne. Je m'en vais directement répondre, point par point, aux préoccupations des honorables députés en ces termes. Au plan politique, les députés signataires de la motion de défiance de reproche des négligences manifestes dans l'application des recommandations émises par notre organe délibérant et de la violation du principe de séparation des pouvoirs. Ils estiment que j'ignore le caractère obligatoire des recommandations de l'Assemblée provinciale en se basant sur certains cas, notamment
la recommandation relative au potentiel des agents du secrétariat provincial. Dans notre transmission des PPP qui du reste seraient signés de manière opaque. Le non-paiement du salaire du mois d'avril 2019 des agents du gouvernement provincial. La spoliation de la parcelle des divisions de la division provinciale de l'économie. Industrie et PNR. En outre, il m'accuse de violations intentionnelles. Loi de la République a l'objectif de servir certains esprits clientélistes, car de la révocation des agents du protocole d'État ou d'un statut, la révocation des opérateurs phoniques, le non-respect des textes qui régissent nos deux institutions, notamment la perception des taxes avec un taux de perception non conforme au budget 2020, l'augmentation des frais de passation des exécutants. Honorable député, pour ma décharge, je tiens à rappeler l'excellence des relations qu'entretiennent nos deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Je m'inscris donc en faux contre l'accusation des négligences manifestes dans l'application des recommandations émises par notre organe délibérant et de la violation du principe de séparation des pouvoirs. Pour les cas évoqués dans la motion, je précise. Les contentieux relatifs aux agents du secrétariat provincial. La motion de défiance indique que j'ai pris certaines décisions dans la violation intentionnelle des lois de la République et que je n'aurais pas suivi les recommandations de l'organe délibérant à ceci. En effet, certains honorables députés, pour ne pas dire les motionnaires députés, en effet, dirigés par la commission collective numéro 1/007-4, ou pour SK 2019, du 14 juin 2019, nommé de nouveaux agents au secrétariat provincial. Pourtant, ces services relèveraient du ministère national de l'énergie. Dois-je rappeler que le secrétariat provincial n'est pas un service déconcentré. Il est rattaché non pas au ministère national de l'intérieur, mais plutôt à la province. En effet, la loi organique numéro 16-01-2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, précise à son article 3 que les services publics de la province comprennent, primo, l'administration rattachée au gouverneur des provinces, l'administration de l'Assemblée provinciale, tiercio l'administration des ministères provinciaux. Et l'article 28 de la loi précitée précise que les services de division provinciale et trois bureaux. Au terme de l'article 29 de la loi, les services publics provinciaux sont créés et les cas échéants, dissous par arrêté du gouverneur de province, délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre et à les secteurs d'activité concernés dans ces attributions. L'autorité provinciale de gestion peut donc soit recruter des agents dans ces services, soit le puiser au sein des services publics relevant du pouvoir central. Donc vous conviendrez qu'avec moi, que ce qui a été fait est conforme à la loi. Dans notre transmission des PPP, je voudrais préciser ici que la loi sur la passation des marchés et la loi sur les partenariats publics et privés sont riches en termes de catégories, de nature et de procédures. Si l'Assemblée provinciale fixe qui garde ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, cependant, elle n'est pas retenue comme organe agissant dans le processus de passation des marchés. Il existe en province une direction de passation des marchés. Je vous rassure. Donc, rien ne s'est fait dans le passé, puisque les contrats signés ont suivi la procédure en passant par la direction provinciale de passation du marché. Si le non-paiement du salaire du mois de janvier 2019, votre gouvernement rappelle aux honorables députés, et bien qu'il y ait hérité de l'actif et du passif du premier semestre de l'année 2019, au moment où nous accédons aux responsabilités, les informations financières et comptables ont démontré que les lacunes financières causées par la grève des agents de la DPR
qui avait négativement impacté sur les finances de la province, avec des effets secondaires sur l'ensemble de l'exercice budgétaire. En dépit de notre bonne volonté de pallier à cette situation, la province avait connu les limites dictées non seulement par l'absence de la récession du pouvoir central, puisque je dois souligner qu'en 2019, nous accédons au mois de juin, et jusqu'à la fin de l'année, nous avons réussi la chose de Kinshasa qui est quoi. En 2020, la même chose s'est poursuivie. Durant 12 mois, le gouvernement provincial a réussi la récession qui est deux fois. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi un franc de Kinshasa. 2021. Donc, la situation socio-économique a été chamboulée et jusqu'à ce jour, la province a difficile à s'en sortir. Une fois notre situation financière améliorée, le gouvernement s'engage à voir dans quelle mesure acquérir ces dettes qui, du reste, sont inscrites dans les dits budgétaires 2021, votée IPMEA. La question relative à la spoliation de la partielle de division provinciale de l'économie, industrie et PMEA, avait fait l'objet des échanges de correspondances entre les présidents de l'Assemblée provinciale. Je cite la lettre du président numéro 350, /BIR, /ASPO-SK, /01-2020, et moi-même. Permettez-moi de m'y référer pour éclairer une fois pour toutes l'enquête des honorables députés que vous êtes, en fait de dissiper tout malentendu à ces sujets. Dans sa lettre civilisée, le président de l'Assemblée provinciale avait indiqué que mon arrêté aurait été pris en violation des articles 55 et 210 de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime de biens, régime foncier, même immobilier et régime de circuit, tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, et avait compris à la spoliation des biens immeubles du domaine public et privé de l'État, en considérant que la matière relève de la compétence exclusive du ministre national des Affaires étrangères. Je voudrais préciser à ces propos que la Constitution du 18 février 2006 place notamment les droits fonciers, les mines et l'aménagement du territoire parmi les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. On peut se référer à l'article 203.7. Par contre, elle range la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans les matières exclusives des provinces. De plus, l'article 183.4 et la loi du 20 juillet 1953, numéro 73-21 du 20 juillet 1953, portant régime de biens, régime foncier et immobilier et régime fiscal. En effet, l'article 55 de la loi, de la dite loi, indique que le domaine foncier public de l'État est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Et l'article 56 de la même loi précise que toutes les autres terres constituent les domaines privés de l'État et sont régies tant par la dite loi que par les mesures d'exécution. Dans le même sens, s'agissant du domaine public immobilier, l'article 210 mentionne que ce domaine est constitué de tous les immeubles qui sont affectés à un usage ou à un service. L'article 221 précise que les autres immeubles font partie du domaine privé de l'État et sont également régis par la dite loi et par les mesures d'exécution. La parcelle visée dans les dits arrêtés entre dans les cadres des terres visées, non pas par l'article 55, mais par l'article 56 de la dite de la loi précise. Elle se situe entre deux immeubles de l'État et n'est nullement affectée à un usage ou à un service public quelconque, tant il est vrai que l'affectation s'est faite par un acte réglementaire formel qui n'existe pas. Il convient de noter
Au terme de l'article 3 de l'ordonnance du 2 juillet 1954, portant mesure d'exécution de la loi numéro 73-21 du 20 juillet 1953, portant régime des biens, régime foncier, immobilier et régime de sûreté précise, que les commissaires des régions, donc actuellement les provinces, dans la région actuellement province, qu'il administre et pour la ville de Kinshasa, les commissaires d'État, ça veut dire le ministre national, sont délégués pour établir le plan parcellaire des terrains à considérer la disposition urbaine. Et l'article 4 de la dite ordonnance précise, les terrains à concéder sont offerts au public par l'État, du commissaire d'État, donc le ministre national, ou du commissaire des régions, gouverneur des provinces, selon la distinction établie par l'article précédent. Je crois que l'honorable Moussonier, l'honorable Batane, qui sont des juristes, sont d'accord avec moi. C'est dans ces cadres que mes prédécesseurs ont pris des arrêtés similaires, que je ne vous ai pas décidé, et qu'ils ont agi. Il est égal à ce qui précède, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'arrêté civilisé a une base légale indiscutable et ne peut pas être interprété comme un acte discrimination. En outre, la motivation de cette session a été dictée par le fait que le bénéficiaire et l'officier supérieur de FADC, avec lesquels l'honorable Moussonguela a failli même se battre. C'est ma baba. Je souligne que cet officier supérieur, et qui se retrouve en ce moment en cause des opérations d'hier dans le haut plateau de Fizi, parce que c'est lui le commandant aujourd'hui du régiment rapide qui est basé à Minembwe, venait de perdre sa parcelle à qui serait un espace impropre à la construction s'il avait mis une journée. Il n'y a jamais donc un conflit ou bien un intérêt mesquin ou particulier de votre serviteur. Et la révocation des agents du protocole d'État pourtant sous statut. Je n'ai pas souvenir que les agents du protocole d'État provincial soient des agents sous statut. Ils sont nommés par arrêté du gouverneur et c'est à ce titre qu'ils peuvent être déchus ou élevés de leurs fonctions par arrêté du gouverneur. Et la révocation des agents fournis, je vous réfère au point relatif au secrétariat provincial. De la perception des taxes avec un taux non conforme au budget 2020. Je tiens à préciser qu'une erreur s'était glissée dans le budget 2006-2020, du fait que la taxe qui était payée par tous les importateurs, en l'occurrence ici les importateurs de ciment, appelée taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province, est fixée de manière forfaitaire. L'exécutif provincial ayant constaté cette erreur, a immédiatement saisi la commission Ecofin et l'Assemblée provinciale de Sibou et une réunion qui s'était tenue à cet effet. Au cours de cette réunion, il avait été convenu de maintenir le taux d'exercice budgétaire 2019. Ceci pouvait permettre à la province de maximiser ses recettes dans ses secteurs. L'honorable Batan dit qu'il a fait de ces combats de minorer les recettes de la province a aussi un conflit d'intérêts, puisque selon les informations que nous avons, il est avocat de plusieurs opérateurs économiques dans le secteur ici. Je crois que l'honorable président vous l'avez souligné, notre peuple ici doit avoir des dirigeants qui disent la vérité et n'ont pas fait le populisme ou avoir des accointances qui font un petit d'intérêt et nous y plus. L'augmentation des frais de passation des examens d'État. Notre commissaire Ecofin avait fixé le taux de participation à 25 $, sans tenir compte des éléments techniques et du calibrage fixé par le ministère national. Bien que l'enseignement primaire et secondaire relève la compétence exclusive de la province, l'article 204 de la Constitution, la question spécifique des examens d'État est réglementée par l'ordonnance loi. 17 juillet 1988 et l'arrêté du 23 mai 2017 et directement de l'intérieur du comité provincial des examens. Ainsi donc, nous avions initié de rencontrer un interinstitutionnel pour expliquer la position des inspecteurs à récolter ces épreuves. À l'issue
ici de ces rencontres, j'ai ainsi prouvé encore une fois la bonne relation entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Nous avions opté pour la solution de la l'arrêté qui fixait ses faits à l'Angola. L'arrêté suivant avait donc fixé ses faits finalement à 25 dollars. Cependant, nous avons eu des difficultés à organiser les examens d'État, étant donné que le gap de 15 dollars ne pouvait pas permettre que nous puissions les organiser correctement. Mais après les discussions, le ministère national de l'EPC est venu à ressources à la province en nous autorisant de retenir 169 000 dollars si le gap d'État de 609 000 dollars. Malgré cela, les inspecteurs ont accepté de supprimer les examens d'État. Jusqu'à ce jour, plusieurs intervenants n'ont pas été primés. Au plan de la sécurité, sur ce point, il m'est reproché l'occupation d'une partie du territoire par des troupes étrangères à cause des infiltrations que je ne dénonce pas. L'insécurité des hommes en armes, les maisons de tolérance de nature à abriter les bandits, ces ventes de boissons locales fortement caractérisées. Nos réponses. Si l'occupation d'une partie du territoire national, la zone est de la RDC a été déclarée par les chefs de l'État comme une zone d'instabilité sécuritaire dont les facteurs sont endogènes et exogènes. Puisque faut-il rappeler aujourd'hui que les groupes, l'activisme des groupes armés est aussi accompagné par l'activisme des groupes armés étrangers. Et cela, malheureusement, depuis plusieurs années. Ça fait donc plus de 25 ans que les six Kivu, les Nord Kivu et l'Ituri constituent les ventres mous en matière de sécurité. Le président de la République qui est passé ici à Bukavu, vous vous souviendrez quand il est passé à la place de l'indépendance, il avait déclaré qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne à l'Est. Donc c'est un combat qui est en cours, que le chef de l'État est en train de mener, et nous qui sommes au niveau des provinces, nous continuons à travailler là-dessus. Donc, les efforts ont été engagés depuis ma prise de fonction, il faut les reconnaître depuis juin 2019, pour pacifier les communautés, puisqu'il faut souligner que la guerre qui se passe aujourd'hui dans nos territoires est aussi l'effet des conflits intercommunautaires. Nous l'avons vécu aujourd'hui, nous le vivons aujourd'hui dans la partie sud de la province, où d'un côté, les communautés Banyamulenge et les autres, et nous le voyons même dans le nord, où nous avons la communauté Hutu et la communauté Kembo. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pacifier les sites qui bougent, en dehors des opérations militaires, en dehors des décisions qu'on peut prendre, il faut réussir la cohabitation pacifique entre nos communautés. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, les décisions ont été prises par nos forces de défense et de sécurité pour mettre fin aux hostilités dans toutes ces zones. Tous les rapports de sécurité sont partagés avec la hiérarchie militaire, dont le commandant suprême, le président de la République. Et en ma qualité de gouverneur et son représentant, il ne s'agit pas d'aller devant le média à cause du populisme pour dire que voici des mesures qu'on va prendre sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire. Puisque ce qui relève de la sécurité relève du secret et de la stratégie militaire. C'est assez.